Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog de ma morning routine. Aujourd'hui je vous partage donc ma morning routine, on va dire productive, en tout cas vous allez voir tout mon petit cheminement du matin, à commencer comme vous l'avez vu par mon réveil à 5h30, vous avez vu ce que je fais directement en me levant, et donc là on va enchaîner par la suite, jusque là c'est plutôt logique. Donc une fois que ces petites étapes, on va dire, de préparation du tout matin sont passées, comme d'habitude, vous le savez, ce gobelet ne me quitte pas de la journée pour bien voir, pensez-y, c'est très important. Donc je le prends avec moi, on a toujours mon petit fauve qui descend également avec moi, et donc je vais me poser rapidement, enfin rapidement ou pas, en bas pour les premières tâches de la journée. Attendez, je pose mon gobelet. Déjà je viens à la rencontre de mon petit pot à beurre protéiné, je viens m'en prendre une pour ce matin, je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma précédente vidéo si jamais les barres que je prends qui sont pas mal. Et donc cette petite étape consiste tout simplement à me mettre un petit truc dans le ventre avant d'aller à la salle faire ma séance du jour, puisque je n'aime ni y aller à jeun ni y aller avec mon petit déj dans le ventre, donc ça c'est l'entre-deux. Et pendant ce temps-là, je viens prendre mon ami l'iPad puisqu'on va commencer tout de suite la préparation, dirons-nous, l'organisation de la journée. Je viens prendre mon modèle de to-do list, je vous l'ai partagé, on l'a fait ensemble, que je fais sur Canva. Pour ceux qui l'auraient loupé, ça ressemble à ça, donc je viens directement remplir ça dès le matin, histoire de savoir où je vais dans ma journée. Me voilà avec la prévision de la journée en tête. Donc j'ai juste rajouté une petite catégorie comparée à ce que j'avais avant, puisque vous le savez, je l'écris pendant les daily vlogs de janvier. Donc j'ai juste rajouté séance pour mettre ma séance du jour. Et donc vous le savez, là-dessus je ne mets que les tâches vraiment que je dois faire dans la journée. Ensuite là-haut j'ai une to-do list papier avec toutes les choses que j'ai en backup s'il me reste du temps dans ma journée pour faire d'autres tâches. Donc ça c'est vraiment ce qui est primordial à faire, et j'ai également à côté mon Google Agenda, mais que pour le coup lui je remplis au fur et à mesure. Donc là déjà on a une bonne journée qui nous attend, tout du moins une bonne matinée avant de filer au magasin. Maintenant qu'on a ça de clair dans la tête, on peut vraiment attaquer lavage de dents et départ à la salle. Et tout ça bien évidemment en musique, je vous ne le dis pas depuis le début, mais moi dès que je me réveille, j'ai mon Deezer qui est allumé avec de la musique, puisque c'est ce qui me permet vraiment de me motiver. Et donc aujourd'hui ça part sur une séance jambes, à savoir, vous le savez, qu'avant je ne faisais qu'une séance bas du corps qui était quand même plus axée booty. Et là j'équilibre en divisant ça en deux séances, une plus axée booty et une vraiment jambes, pour travailler ce qui va être complémentaire. Donc aujourd'hui ça va être un petit peu le test.
de retour à la maison, c'était une séance très cool, vraiment assez très complète. Même j'ai fait des étirements au début que vous n'avez pas vu et mon échauffement. Et à la fin, je fais comme d'habitude le stretching, là, les 6 minutes de Pamela Reif pour retrouver vraiment mes séances complètes. Pec, épaules, dos, bras, et donc dans ma précédente version c'était jambes, boutiques. Tout était dans les daily vlogs de janvier, donc vous pouvez les retrouver assez facilement. Donc là c'est juste la variante que j'ai fait, l'autre restera pareil, l'autre séance. Et à la place de ce que vous avez vu aujourd'hui, normalement ça ne devait pas être hip thrust mais squat en cage. Mais comme il y avait quelqu'un qui l'occupait déjà, vous savez quand c'est comme ça, comme les squats faut les faire en début de séance, ils l'ont libéré qu'une demi-heure plus tard, donc ça ne servait à rien, tant pis je la ferai à l'inverse la prochaine fois à la place des hip thrusts. Donc ça c'est cool, on enchaîne tout de suite avec le petit déj, recette d'une abonnée. Je suis trop contente qu'elle m'ait donné cette recette, je la fais tous les matins. De m'habiller, tache de teinture, on adore. Aujourd'hui je veux quelque chose de confortable, c'est la reprise du boulot au magasin, mais franchement je ne veux pas quelque chose de prise de tête. Voici donc la petite tenue du jour, simple mais efficace comme je vous le disais. Simili cuir de chez Stradivarius, ceinture caporal, cardigan Lina Rossia, mes petites créoles, je viendrai juste les rajouter après le make-up. Cet ensemble de colliers, ces deux colliers, c'est June. Ils ont un site internet, si jamais. Et les deux bagues, celle-ci, si je vous montre, c'est mieux. Et avec la breloque, je sais que vous en cherchez pas mal. C'est sur le site WooWeOr. Et donc, on enchaîne avec le make-up. Eh bien, il est temps de commencer à travailler. Donc, comme d'habitude, mon gobelet d'eau, ma to-do list. Je crois que vous voyez mon ordi, ma tablette, en dessous mon cahier où je note tout, tout, tout. Et donc, pour mon travail le matin, donc très souvent, par exemple demain je suis le matin, mais le plus souvent je suis quand même d'après-midi au magasin. Donc, je commence par le traitement de mes mails, puisque c'est un peu ce qui va conditionner la suite de mon travail. Sauf là par exemple, vous l'avez vu sur ma to-do list, j'ai un projet envoyé à une marque. Et bien je vais faire ça avant parce que il faut que ça avance. Mais sinon, première étape, c'est vraiment le traitement de mails, qui prend en plus de ça vraiment pas mal de temps. Story Insta s'il y a à faire, en tout cas pour vous tenir au courant, les autres stories, tout ce qui va être code promo ou autre, je les fais dans la journée, mais souvent les petits coucou c'est plus vers le matin bien évidemment. Et ensuite ça va être toutes les tâches de ma to-do list, tout simplement, que je vais commencer
au fur et à mesure jusqu'à temps qu'il soit le temps de manger le midi et puis de partir au boulot. Et bien c'en est tout pour ma morning routine, j'espère qu'elle vous aura plu. Première fois que je la fais sous un format un petit peu différent qui mixe un peu plus de vlog dedans, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas ça suit la lignée de ma nouvelle chaîne, de la nouvelle, du nouvel axe que je veux donner à ma chaîne. De toute façon si vous avez regardé la vidéo précédente, vous voyez de quoi je parle, vraiment vlog, 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 vlog. Donc écoutez, j'attends vos retours comme d'habitude en commentaire, je me ferai un grand grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, que vous tombez sur ma vidéo là, et bah enchantée, je m'appelle Shirley. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre dans tous mes prochains contenus. Activez la petite cloche, ici c'est 100% vlog, 2 vidéos par semaine qui se régulariseront un petit peu après, je vous donnerai les jours de sortie. Et donc voilà pour ça, rejoignez-moi bien évidemment sur Instagram, et moi sur ce je vous fais plein 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 de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, bye bye.